épisode numéro 2 les amis. Sur ce chapitre 3 de Poppy Playtime, j'ai beaucoup trop hâte de continuer. La dernière fois on s'était laissé devant Home Sweet Home, l'espèce de manoir hanté qu'on va devoir aller découvrir, inspecter, regarder ce qu'il y a dedans. Bref, je pense que je vais vraiment me faire pipi dessus parce que ça va faire super peur bordel. J'espère que vous êtes prêts. Let's fucking go. Nous revoilà les amis devant et ben l'espèce de manoir hanté. On va aller ouvrir cette porte. Let's go pour découvrir cette espèce de manoir. C'est tout sombre, moi j'ai super peur quand c'est sombre comme ça. Bonsoir, y a quelqu'un ou pas? Mec, je sens qu'on va se prendre un screamer. J'ai très très peur de ce qui va se passer. Il y a des jouets qui sont pendus. Oh, un chargement. Un chargement, ça me dit rien qui va, là, les amis. Bah, j'ai très peur des chargements. Bon, alors, oh, on n'a plus notre lampe torche. Ok, on va ouvrir cette porte, j'ai pas envie. Ok, alors je pense que si je vais dedans, je meurs. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il y aurait pas un masque, un truc comme ça que je pourrais prendre? Bah écoutez, on va bien voir. Ah, je vois rien, je vois rien, j'ai peur. Attends, mais je vais m'endormir là. Attends, mais je vais carrément m'endormir, faut vite que je m'en aille d'ici. Attends, mais je dors pas. Attends, mais comment ça, normalement, dans le gaz, je suis censé tomber et dormir comme un petit bébé? Mais là, j'ai l'impression que le gaz, ça me fait rien. Ou alors, est-ce que j'ai déjà le masque sur moi? Bah non, dans mon inventaire, j'ai pas le masque. C'est peut-être une petite fumée d'ambiance, hein, qui sait. Peut-être que Catnap, finalement, il est super gentil. Je n'aime pas du tout ces couloirs. On ne peut pas ouvrir les portes, j'aime pas du tout ces couloirs. Y a quelqu'un ou pas? Ta 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 ta. Je sais pas pourquoi, mais au fond de ce couloir, je vais me prendre quelque chose. Oh, ben voilà, ça a l'air d'être tranquille en vrai. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué Happy and Fun. Where was it love? La joie et la bonne humeur te feront aimer, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec ce truc grisy là? Et c'est quoi cette. Bonsoir? Elle s'appelle Nathalie. Ça va, Nathalie? Oh, il y a Mommy Longlegs dessus. Alors attends. On va à droite ou à gauche? Plouf plouf, ce sera toi qui. Allez, à gauche. Allez, on s'en fiche, on va à gauche. Ça se trouve, c'était pas du tout par là que je devais aller. De toute façon, soyez-en sûrs, les amis, j'ai pris le mauvais chemin. Un drame s'est produit ce matin à 9h45. Les autorités locales ont signalé la découverte du corps d'un jeune garçon. Quoi? Dans la propriété du feu de Elliot, un fabricant de jeux réputé, créateur de la Poppy Playtime Co. Voilà, c'est Elliot, c'est lui qui a enlevé les enfants. Alors, on joue pas l'identité de cet enfant, n'a pas encore été confirmé officiellement. Le corps a été découvert dans une chambre à l'étage. Les officiers sur place ont indiqué que les restes semblaient avoir été déplacés. Des organes et des os majeurs du squelette ont été prélevés sur le corps. C'est-à-dire qu'on va aller en haut, c'est sûr et certain. On ignore encore si ces amputations sont effectivement la cause du décès. Il y a des bruits! Ça veut dire que. Il y a eu potentiellement cet enfant-là qui a été enlevé et qui a été complètement tué. Par contre, mon gars, c'est super gros, là. Oh, t'es en train de répéter ce que t'as dit, là. T'es en train de répéter ce que t'as dit. Bon, on va se casser d'ici, les amis. On va aller par ici. Bah, il y a des griffes de partout. Hein. Oh, suite à cet événement, nous avons demandé à Poppy Playtime Co. des explications sur cette découverte. Voici ce qu'ils ont dit. Ah, ils ont dit quoi par rapport à l'enlèvement? C'est affreux. Elliot Ludwig était un grand homme. Et tous ceux qui l'ont connu savent qu'il était incapable de la moindre violence. Et encore moins celle dont tout le monde parle. Il aimait profondément les enfants comme celui-ci, ce qui rend d'autant plus atroce le fait d'avoir dissimulé ce corps. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que c'est pas lui qui l'a fait. Nous avons hâte de pouvoir aux yeux du public comme les yeux de la loi. Ok, en gros, ils sont en train de nier les faits. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Mais ça va pas de me crier dessus comme ça là, c'est un malade lui. Donc en gros, il y a eu apparemment un enlèvement d'un enfant et eux ils disent non, c'est pas moi du tout. Ouais, c'est pas toi, ouais, c'est ça, ouais, mes fesses. Mais par contre, c'est un. Attends, il y a. Attends, j'ai entendu un bruit de téléphone. J'entends un bruit de téléphone. C'est là? Faut aller? J'entends un bruit de téléphone. Donc c'est-à-dire que c'est par ici. Ah, ça me fait avoir des frissons. Les bruits de téléphone, j'aime pas ça. Il y a un téléphone qui sonne par ici. Oh là là, je vous jure que j'ai peur. Oh là, c'est la première fois que j'ai autant peur, mon gars. Bonsoir, il y a quelque chose? Oh, il y a un téléphone qui sonne, c'est le téléphone de Coquelico. Ah, c'est Oli! Vous devez... Comment ça, vous devez courir? Vous l'avez vu! Vous l'avez vu! Je suis pas fou, vous l'avez vu! Il y avait Catnap. Oui, Catnap. Oh là 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 là. Vous devez courir, elle est marrante elle, vous devez courir. Bon, bien que Playtime ait proclamé l'innocence, son attitude recluse et mystérieuse devant ses décennies a semé le doute dans l'esprit des gens. Tu me parles chinois frérot, je comprends rien, j'ai juste peur de ce qui se passe. Je sais même pas, les voisins de Ludwig ont indiqué qu'il rentrait souvent chez lui de nuit à des heures tardives. Voilà, il rentre et qu'il repartait avant le lever du soleil, voilà. Il revenait tard pour enlever ses enfants. Oh. Oh, ne bougez pas, ne bougez pas. Oh. Oh. Oh, j'ai bougé un petit peu. Pourquoi il m'a dit de ne pas bouger? J'ai entendu des bruits. J'ai entendu des bruits de pas. Il y a Catnap, mon gars, Catnap. Je vais me prendre un screamer, mon gars. Il m'a dit de pas bouger, je bouge, j'en ai rien à faire, je suis en tog. Je suis en tog live, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai peur. Oh, oh, oh,
À bientôt. Respire. Vous. Inspire. Pour l'instant, ça devrait être bon. Putain, mais mon gars, c'est tellement grand. Je vous jure que j'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure. Oh. Petite musique sympa. Ah, sympa la musique. Franchement, ouais, vous avez franchement des goûts musicaux qui sont, qui laissent quand même à désirer, hein, franchement, désolé, mais vos goûts musicaux, vous êtes prêts pour qui, là? Oh! Tout va bien, ça clignote. Je sais pas où aller, j'ai l'impression de tourner en rond, je sais pas du tout où je dois aller. Oh, vous voyez, je suis pas aveugle. Catnap! J'ai vu tes nanas, tu devrais passer chez l'opticien. J'y vais. Je sais pas si je dois y aller. J'y vais en reculons. J'entends quelqu'un, mais je sais pas si c'est par là. Oh mon gars, je vois rien. Oh lolo. Oh là là, il y a marqué quoi? Hensu, je te chasse. Comment ça, tu me chasses? T'as cru que j'étais un lapin et que t'étais un chasseur ou quoi? T'es un malade mental, toi. Déjà, t'as. Mais j'arrive plus à parler. Ah, mais attends, mais je tourne en rond là. Attends, quoi? J'ai tourné en rond et j'ai atterri dans un autre truc. Mon gars, ça n'a aucun sens. Attends, il y a un truc au loin là. Je vois quelque chose au loin. C'est quoi? Oh! C'est censé être du sang. Et par contre, attends, elles sont où mes mains? Et il est où le grab pack? Attends, moi je veux le grab pack. Pourquoi j'ai plus le grab pack? Je sais pas si je dois aller tout droit ou si je dois aller à gauche. Allez, on va suivre mon instinct, on va aller vers le sang. Let's go. Le sang. J'ai très peur du sang, mais tout va bien parce que je suis un guerrier. Debout. Oh, il est là-bas. Debout, bah je suis debout, t'as cru que je faisais la sieste ou quoi? C'est un malade lui dans sa tête. T'es un malade et mental, t'es même pas malade mental, t'es un malade et mental. En plus j'aime bien les mentales, franchement c'est super bon les mentales. C'est vraiment un bon fromage et tout. Je suis trop jeune pour mourir. Oh là là, il y a des cris de bébé. T'entendais les cris de bébé? Ouais, j'arrive, j'ai de la nourriture, vous inquiétez pas, j'ai des chips, j'ai des bonbons et tout, vous inquiétez. Oh, on arrive au dortoir. Oh, le fameux dortoir. Putain, j'ai cru que c'était des yeux. J'ai cru que c'était les yeux de Catnap. Je commence à devenir fou. Il y a marqué quoi? Happy and fun. Why was it done? Heureux et amusant, pourquoi ça a été fait? Bah, j'ai pas trop compris ta phrase. Oh, la cassette. La fameuse cassette qu'on va pouvoir mettre pour en savoir un petit peu plus sur le chapitre 3. Alors, j'écoute attentivement. Oh, salut, employé. Bienvenue à votre premier jour chez Playtime. Oh, un peu de tranquillité. Nous sommes sûrs que dans les jours à venir, nana, aussi accueillante et aimant que la vôtre. Vous allez retrouver votre famille, je crois, un truc comme ça. N'hésitez pas à vous promener. Asseyez-vous dans la cantine pour déjeuner et apprendre à leur guise. Putain, ça va vite, j'arrive pas à tout lire. Rejoignez les innovateurs qui repoussent sans cesse les limites de la science. Ou rejoignez les conseils de Playcare dont la diligence et l'affection envers vos enfants contribueront à créer un avenir plus radieux, vous verrez. Ouais, nous dit que c'est tout beau tout rose, sauf que non, moi je connais l'histoire. Désormais chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans cet avenir. Et donc si jamais vous revenez demain en étant malheureux dans votre situation, ou ce que vous avez fait, ou de ce que vous avez fait, quoi? Ne vous inquiétez pas car votre superviseur est là, il est ravi de ce que vous avez écouté. De ce que vous avez fait? Comment ça, ce que vous avez fait? On n'a rien fait du tout, nous, hein. Et si jamais vous reveniez, des années plus tard, rongé par les remords, puissiez-vous descendre dans l'obscurité et la poussière? Vous trouvez que des horreurs incompréhensibles? Non mais regardez la tête de ce Ugi là. Pas avant de vous voir revenir, de vous retrouver. Peut-être qu'ils vous souriront depuis un recoin obscur avec leur gueule plein de dents, de chair et de plastique. C'est pas ce qui a été dit dans le trailer? Observant et attendant patiemment leur tour d'être accueillis chaleureusement. Je peux plus bouger. Je vous jure que je peux plus bouger. J'essaie de tourner ma souris. Peut-être vous laisseront pas le temps de vous trouver votre place dans ce monde que vous avez quitté. Tu me fais peur là, frérot, avec ces mots. Un monde à eux. Tu me fais peur, frérot, avec ces mots, bordel. Bienvenue à la maison. Oh! What the hell? What? Attends, il est... Comment qu'elle a fait? C'est un le Oogie qu'on a vu, il est passé par l'écran et il nous a défoncé. What the hell? Wesh! Oh là là, ce qu'on vient de vivre. Oh, je vous jure, j'ai cru que mon cœur, il allait arrêter de battre, bordel de caca, là. Bon! Alors, trêve de bavardage, on n'est pas là pour pleurer, d'accord? Je pense que ici, d'accord, on peut pas aller. Bon, on s'est fait défoncer par le Oogie Oogie. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, il est là. Eh, c'est toi qui m'a défoncé. Maintenant, t'es tout petit. Bon, c'est pas lui. Bien évidemment, ce n'est pas lui. J'essaie quand même de regarder autour s'il y a peut-être pas des trucs. Il y a marqué quoi? The Hour of Joy. Ouais, bon, ça, j'ai compris. Oh, il y a un ascenseur. Est-ce que peut-être cet ascenseur, on va pouvoir l'apprendre après? Je sais pas. En attendant, on ouvre cet endroit. Ah, j'ai peur. Ah, c'est un nœud. Ah non, je pensais que c'était un nœud. Alors, à mon avis, on va revoir 4.
Snap. Oh, alors ça c'est l'endroit qu'on avait vu dans le trailer, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait vraiment manoir hanté, frérot, j'ai super peur. Alors du coup ça c'est vraiment pas le truc de Boxibou, hein. J'étais en mode est-ce que c'est peut-être le truc de Boxibou? Oh, attends, mais c'est... Oh, oh. Il y a trop de trucs qui se passent là. Allez hop, ça c'est à moi, le masque. Il est à moi, frérot. Oh, oh mon gars, j'ai le masque. Oh, il est stylé. Et ça, c'est Baby Longleg. C'est le bébé de Mamie Longleg. C'est la première fois qu'on le voit. Honnêtement, je pensais que c'était juste un fan mail, mais pas du tout. En vrai, c'est la première fois. Ah, Mamie Longlegs. Bruit parasite. Mamie, t'es là, Mamie? Mamie, on t'entend là? Il y a des milliers de personnes qui veulent t'entendre là. Bon, elle veut pas parler, hein, la mamie, hein. C'est une dinguerie. Bon, ici je vois qu'il y a un truc de courant. À mon avis, il y aura encore un truc à faire, je pense. Oh là là, là il y a des smiling critters. Allez, franchement, ce dessin est super bien fait. Mais tu rigoles ou quoi? Même mon petit frère de 1 an, il aurait pu faire mieux. Bon, alors, du coup, je vois qu'il y a une main là-bas. Est-ce qu'on peut... On peut pas aller là-bas? Attends, peut-être que ça c'est cassé. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux passer? Laisse-moi passer. Bon, je crois qu'on peut pas ouvrir. Et cette porte, elle est barricadée. Bon, faut que je trouve un moyen de sortir d'ici, frérot. Il y a un truc de courant ici. Je pense que je vais devoir aller là-dedans, hein. En fait, j'ai peur d'aller là-dedans et... Oh, mais attends, mais il y a aussi... Oh, Daddy Longlegs aussi. Bruit parasite. Tu vas me dire 2-3 mots, bordel. Mais c'est... Ils sont tous... Et vraiment, personne ne veut parler. Hein. Bon, et ben quand faut y aller, faut y aller. Let's go. Ok. À mon avis, on va mettre le masque, hein. Je vois une fumée rouge, frérot. On va mettre le masque. Oh, c'est le 4 qu'on a vu dans le trailer. Alors, est-ce que je peux... Ok. Oh, ah, je dois tirer. Attention. Let's go. Oh mon gars, ça a tout défoncé. Alors là, franchement, c'est... Attends, pas s'il y a des trucs. Attends, si je l'enlève, est-ce que je meurs? Est-ce que je meurs du gaz ou pas? Attends, c'est l'expérience sociale, les amis. Ok, je suis en train de crever. Je suis en train de crever. Eh ben, le kart m'a bien servi parce que j'ai accès à... À ça pour sauter. Oh, ah, pour sauter. Ah, à mon avis, on est allé de l'autre côté. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à sortir. Bon, maintenant, il n'y a plus de gaz. C'est nickel. Ok. Pourquoi il y a des machines à laver? Ah, on va pouvoir peut-être nettoyer un peu notre grab pack parce que c'est vrai qu'il est sale. Hein. Depuis le temps qu'on l'utilise, frérot, c'est un petit peu normal. Est-ce que cette porte, je peux l'ouvrir, oui ou pas? Je peux. Oh, je peux ouvrir cette porte. Est-ce que je peux ouvrir aussi cette porte? Ok, celle-là, je peux pas l'ouvrir. Là-bas, il y a des trucs, mais j'ai vu aussi que là, il y a des trucs. Et il y a des trucs de partout, frérot. C'est vraiment un labyrinthe, le bordel. Oh, mon gars, attends. Il me ressemble carrément. On dirait moi quand j'étais petit. Hey, ça se trouve, je vous l'ai pas dit. C'est peut-être moi. On sait pas. Peut-être que Popilita m'ont contacté. Non, c'est complètement faux. Je peux y aller ici? Attends. Non, attends, toi. Voilà, va attendre 2 secondes. Ici, il y a une tête qui fait super flipper. Est-ce qu'il y a quelque chose là? J'ai l'impression que c'est un bureau d'un garçon qui était là, hein, à mon avis. Hein. À mon avis, il dormait ici, il faisait ses devoirs et à mon avis, il était surtout maltraité de fou. Bon, on va avancer par là-bas. Bah écoutez, on va avancer un petit peu. On va revenir là où on était juste ici, juste après. Hein. On va juste un petit peu voir ce qui se passe ici. Ah, un petit jouet qui est un petit peu pendu. Hein, mais vraiment, un tout petit peu. Hein, vraiment. Putain, il y a trop de trucs partout, mon gars. Oh. 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 Eh ben, j'ai bien fait de pas bouger, bordel. Catnap, je suis là. Eh ben, en fait, j'ai pas forcément envie qu'ils viennent, hein. Ouh, ok, putain mec, mon gars, c'est un labyrinthe. Oh, il y a des trucs de partout, mon gars. Ah, le courant. Alors ça je sais. Ok, j'ai un truc de courant, 0 power. Ok. Bah, à mon avis, ouais, ça ne fonctionne pas. Il faut le deuxième truc de batterie. Ok, donc ma mission, c'est de trouver, eh ben, la deuxième batterie, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que c'est par là? Oh, mais mec, il y a des portes qui s'ouvrent de partout. Et il y a encore un truc où j'étais pas allé tout là-bas. Putain, mais je me perds vraiment, c'est un labyrinthe le bordel, hein. Bon, ici dans cette chambre, il y a rien. On va aller Oh, attends. Est-ce que cette porte je peux l'ouvrir? Oh, je peux l'ouvrir aussi, mon gars, et je peux même aller en haut. Mais il y a des trucs de partout, c'est une dinguerie, frérot. Kissimissi? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Kissimissi? Je peux pas y aller? Ouais, Kissimissi, pourquoi tu fais genre, tu m'entends pas là? Attends, mais elle regarde quoi? Elle regarde une enfant? Attends, pourquoi on peut pas y aller? Attends, mais... Ah, non, attends. Kissimissi? Qu'est-ce que tu fais? Attends, mais on peut pas y aller? Attends, mais c'est une blague, mais moi je vais lui faire un petit poutou là, je vais lui faire la bise. Attends, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je pense qu'elle est occupée, hein. On va la laisser tranquille. On va la laisser, les amis. Et nous, on va monter ici, frérot. La 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 la. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi ça, cet endroit? J'ai l'impression que c'est un dortoir pour des bébés. Ok, bon, on est clairement dans un dortoir en fait, hein. Oh, notre batterie est juste ici. Attends, je regarde si.
Et je pense que c'était une ampoule qui était mal mise, hein, bien évidemment. Attends, c'est moi ou c'est un gros smiling critter, ça? Ok, il était posé. Oui, c'est un gros smiling critter, là. Attends, t'es pas vivant, frérot, hein. Attends, rassure-moi, t'es pas vivant, hein. Parce que si t'es vivant, moi, je vais commencer à faire pipi dans mon frog. Je crois que c'était par là. En vrai... Oh oui, c'était là. Et le deuxième est là. Let's go! C'est bon? Je peux appuyer sur ça. Ouh! Et du coup, ça a ouvert une porte ici. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir s'enfuir? J'ai l'impression d'avoir loupé trop de trucs, les amis, je vous jure. Mais je sais plus où c'est. Si je retourne en arrière, je vais juste me perdre. Ah oui, c'était là. Oh, oh, eh, on va voir un truc qu'on a vu dans le trailer, si je dis pas de bêtises. Eh ben écoutez, quand faut y aller, frérot, faut y aller, mon gars. Let's go. Oh, il a pété le truc, mon gars. Il a défoncé le truc. Eh, désolé, hein, s'il y a des enfants qui dorment dans le dortoir, j'ai pas fait exprès. Hein. Je sais pas s'il y a peut-être des easter eggs, des trucs comme ça. Aucune idée, mon gars. Il y a juste un Huggy Wuggy qui est défoncé. Oh, ah, mais on est à l'étage. On est clairement à l'étage, en fait. Oh, ah, il y a un pig, c'est Piggy Piggy. Piggy Piggy, salut, je suis Piggy Piggy. Si on mangeait... Tu veux manger quoi? Tu veux manger un tacos? Tu veux manger quoi? En tout cas, on va pas manger de cochon parce que t'en es un, clairement. Du rôti de bœuf, délicieux. Ah, du bœuf? Mais c'est pas gentil de manger tes congénères. Du poulet grillé à la trappe. Ah oui, tu veux pas? De l'éléphant braisé, miam, une licorne. Écorché, toujours faim. C'est moi où elle a listé tous les smelling critters avec la licorne, etc. Bon, c'est très très bizarre. Oh, je vois qu'il y a un truc d'électricité là-bas. Je vais pouvoir utiliser, je pense, une autre main. Attends, on va avancer, les amis. Je vais pas vous mentir que là, j'ai l'impression d'être dans un fucking labyrinthe. Donc, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est allons de l'avant, hein, parce que... Oh. Attends. Me dis pas que lui, c'était celui qui était par terre tout à l'heure et il s'est levé, là. Par contre, il y a... une batterie qui m'intéresse fortement. Je vais voir si je peux pas y aller après parce que sa batterie m'intéresse, les amis. Je vais pas vous mentir. Bon, du coup, il y a un casse-tête à faire, les amis. Ici, je vais switcher de main comme ceci. Voilà. Je prends l'électricité. Je la mets là. Ça ouvre cette porte. Attends. J'ai trop peur d'oublier un truc. C'est trop facile, frérot. Je vais pas te mentir que c'est. Je trouve que c'est trop facile. Putain, il y a encore le même Smiling Critters, hein. Bon, à mon avis, il y a que ça à faire, frérot. Je vais y aller. Let's go. Pour choper... Ah, attends. Ah oui. Attends, j'ai compris. Ah, je prends encore l'électricité et je la refous là. Ah non, ok, attends, je crois que je me suis trompé. Oh, ok, il y a un truc d'ouvert ici. Il y a le smelly critter. Non. Je me suis enfermé. Alors moi, je suis débile. Oh non, je me suis enfermé. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Je suis dans un dortoir là. Attends, dis-moi que je peux... Dis-moi que je peux sortir d'ici. Attends, je vais utiliser ça. Hop, hop, hop. Allez. Je peux sortir d'ici? Non, mais mec, il y a un trou! Je suis carrément bloqué, là! Ah, mais il y avait un truc juste ici! Oh, punaise, je suis complètement débile. Attends, mais... Mais ouais, mais il me faut du courant, là! Comment je fais? Ah, attends. C'est un truc d'électricité, ça? Oh, il y a un truc d'électricité juste ici! Oh! Oh, ça m'a ouvert cette porte! Non. Ok. Je garde cette électricité avec moi. Et dès que j'en revois... Je ne bouge pas. Attends, il est vivant? T'es vivant, frérot? Attention, hein! T'es vivant? Ah non, il est pas vivant. Ok, c'est juste une statue. Une statue qui... Attends, mais tu te tournes? Tu vas me laisser... Tu vas arrêter de te tourner? Oui, je veux la batterie qui est sur tes fesses. Je sais qu'il a une batterie sur ses fesses, les amis. Bah, bordel, c'est pas possible. Attends, faut que je trouve un moyen de détourner son regard. Oh, il y a un truc ici, attends. Je vais y aller. Oh! Attends, il y a peut-être un truc... Attends, mais c'est sûr et certain, il y a un truc à faire avec le Smelling Critter, ce qui est juste ici. Oh, ici, il y a un truc d'électricité aussi. Et un truc d'électricité... Oh! Attends, il m'a pas vu là? Ah ah! T'as le seum, mon gars! Ah, comment je l'ai eu? Oh, je suis trop fort! Oh, comment je l'ai eu? Peut-être que c'est par ici que je dois aller. Je sais pas. Je vais y aller. J'en sais rien du tout, frérot. Let's go! Oh! Ah, attends, je peux y aller là? Alors, je crois que je peux pas y aller. Écoutez, je vais avancer. Je sais même pas si je dois aller ici. En fait, c'est tellement grand que j'avance vers l'inconnu, hein, littéralement. Hein. Franchement, désolé d'avance si c'est pas du tout là que je dois aller. Hop! Juste là. Ok. D'accord. Là, c'est le truc de tout à l'heure. Je suis retourné en bas, en fait. Ah si, il y a un truc de batterie. Ah si. Ok, j'en ai une. Et la deuxième, faut que je cherche la deuxième, en fait, littéralement. Il y a un truc d'électricité, les amis. Donc, je vais prendre ça juste là. Et je sais que pas loin d'ici... Ok, il y a un truc d'électricité. En y allant, je vais reprendre le truc d'électricité. Je vais remonter. Ah. Je le remets là. Ouais. Attends, mais comment je fais, moi, après, pour passer? Attends, mais il y a un problème, là, je suis...
Attends, mais je suis coincé entre deux portes. Et je suis carrément coincé entre deux portes. Les amis, laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Mais si, mais putain, mais il y a un conduit d'aération, bordel. Ouvre tes yeux, Wisfarm, t'es complètement débile. Attends, mais là, il y a deux trucs d'électricité que je n'avais pas vu. En fait, faudrait que j'ai deux espèces d'interrupteurs comme ça. Sauf que là, j'en ai qu'un. Sauf que, attends, je crois que j'ai une idée. Attends. Si je fais ça, que j'active ça, que je récupère celle-là, que je mets ça juste là, comme ceci. Et que là, je vais en récupérer un là. Oh, si ça marche, je suis vraiment un génie. Hop, je me dépêche. Allez. Et... Oh, j'ai réussi! Let's go, j'ai réussi! Oh, ok, c'est juste un jouet, Regarde là, je peux faire du Pucci Ball là, tu veux te battre? Je fais un petit peu le malin parce que c'est juste un jouet, hein. Oh, Ugi, tu vas dire un truc? Oh, un câlin par jour éloigne les monstrueux soucis. Deux câlins par jour, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Un câlin pour toujours, il y a des câlins sans fin. Je vais vous câliner si fort que votre tête va faire pop. Alors ça, c'était pas mignon du tout, mon gars. C'était vraiment pas mignon. Ça te fait rire en plus, espèce de caca, va. Bah écoutez les amis, quand faut y aller, faut y aller. Je vais tout faire péter, mon gars, c'est moi qui te le dis. Attention, let's go. Wesh. Voilà, j'ai tout pété, mon gars. Comme ça, on passe de force. S'ils veulent pas m'ouvrir, pas de soucis, je vais ouvrir moi-même. C'est moi qui te le dis. Ah oui, mais attends, mais j'avais, je crois que j'avais pas accès à ce couloir-là. Donc à mon avis, on va aller dans ce couloir-là. On va ouvrir cette petite porte. On va aller se cacher dans le lit. Et on va pleurer dans le lit parce que j'ai peur, bordel. Petite chambre d'enfant qui... Allez, on met le masque. Je veux rien savoir, mon gars. Ouah, je vois rien du tout. Attends, j'essaye de voir s'il y a peut-être pas des indices, des trucs comme ça. Une petite batterie que j'ai manqué ou quoi. Allez, hop. Va dans les conduits d'aération. Voilà, là, faut vraiment que je garde mon masque, les amis. Parce que là, si je l'enlève, je meurs immédiatement. Et moi, j'y arrive pas. Oh, c'est quoi? Oh, il y a encore un casse-tête. Non, j'y arrive pas. Ok, je pense pas que ce soit là. Ok, c'est easy. C'est juste là. Je sais pas si le gaz, si le masque, c'est infini. Bon, c'est bon, là. On n'a plus besoin. Ok, nickel. Oh, putain, il y a du gaz de partout, mon gars. Ouais. Ah! La batterie est là. Ok, la batterie est là. Ça fait plaisir. Ouh, il y a quand même pas mal de sang là. Hein, ça me dit rien qui va. Et c'est moi ou ça, on l'avait vu aussi dans le trailer, si je dis pas de bêtises. Je pense que. Oh. Attends, je pose la batterie là. J'utilise ça et je te reprends, petit doigt. Attends, je la prends main droite. Voilà. Let's go. Je sais pas. Ok, d'accord, je suis revenu où j'étais. Ah, mais du coup, je vais pouvoir remettre la batterie. Ok, je vais pouvoir remettre la batterie, les amis. Et on va pouvoir se casser ici. C'était où déjà? Il y a des trucs de partout. Ah, si. Voilà. Let's go. Je vais pouvoir ouvrir une porte qui se trouve. Qui se trouve juste là. Attends. Ah, ça a ouvert toutes les portes en fait. Ok. Bon, je vais pouvoir retourner à l'entrée principale. Et j'ai comme un mauvais pressentiment. Qu'on va me sauter dessus, frérot. Je sais pas pourquoi j'ai un petit peu peur. Oh, je vais aller pouvoir aller ici. Il y a une sauvegarde qui vient de se faire. Ça ne me dit rien qui va. S'il y a une sauvegarde qui se fait, les amis, c'est qu'on va probablement se faire screamer la tête. Oh, ok. Encore un petit casse-tête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mitraillette, le bordel? Appuyez sur E. Oh, ah, ça, c'est ce qu'on a eu aussi dans le trailer. Là, pointer la tourelle vers le poteau électrique et tirer sur le levier. Ouais, attends. Attends, quoi? Ça, et, mais comment je fais pour tirer sur le levier, frérot? Attends, mais il y a un levier, là. Ah, mais... Oh, d'accord. Oh, putain, alors moi, j'avais rien compris. Alors là, je suis complètement débile, hein. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a activé le courant, juste là. Ouais, à mon avis, il y a un deuxième poteau pour aller sur le truc en haut, hein. C'est sûr et certain. Le deuxième poteau, il est où? Je peux pas y accéder par là? Attends. Faut que j'aille par où? Bon, allez, poteau. Attends, il y a une trappe, là? C'est moi où il y a une trappe? Faut que j'atteigne... Ah, mais si, ça a ouvert le truc, là. Ok, d'accord. Wow, mec, le casse-tête! J'ai l'impression de faire un Rubik's Cube, là. Alors, j'essaie de comprendre, les amis, mais je comprends à moitié, là. Je vais pas vous mentir. Ah, si, il y a une tourelle juste là. Je l'avais pas vue. Ok, alors. Attends, je vais pointer le truc. Je le pointe juste là. Ok, normalement, il est pointé. Ça, normalement, je vais le mettre là. Ça va pointer ça là-bas. Ensuite, attends. Ça, faut que je le pointe. Normalement, si je dis pas de bêtises, faut que je le pointe sur le truc là-bas. Ah, mais ça... Ah, mais ça, c'est ouvert. Attends. En fait, je sais pas si c'est pointé sur... Là, à mon avis, là, c'est pointé. À mon avis, là, c'est pointé. Donc, ça veut dire que ça, faut que j'enlève le courant de ça là-bas. Arrête. Voilà. Donc, normalement, si je le reprends ça là, si je reprends ça là... Ça pointe le truc. Ok, ça pointe bien ça. Normalement, là, ça devrait marcher. Si je papille. Ouais.
C'est bon? Ça a marché? Ça a marché là? Oh oui! Attends. Tiens! Ok, j'ai réussi à passer. Alors, j'ai réussi à passer, mais il y a un truc que je comprends pas là. Attends, mais si j'utilise ça pour que le truc il ne remonte pas, est-ce que ça marche? Attends, si c'est juste ça. Oh, je suis complètement débile. Oh, oh, ça fait littéralement 15 minutes que j'essaie de comprendre comment ça marche alors que j'avais juste ça comme indice énorme. Je suis complètement débile. Bon, allez, on va enfin se casser d'ici. Let's go. Ouais, on peut s'en aller d'ici. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? C'est tellement grand. Et je vous jure que... Oh, aïe, 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 aïe. Ça ne m'avait pas manqué du tout, hein. Ok. J'utilise ça. Oh. Oh. Oh, oh, il descend. Attends, attends, j'ai peur. Je peux même pas aller là. J'étais à deux doigts d'aller me cacher là, mais... Je crois que je peux pas, hein. Oh, ça va monter. Oh, ça monte. Ah bah, franchement, il monte tout seul, l'ascenseur, hein. Let's go. Ok, d'accord. Alors, je crois que je suis déjà venu ici, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Je peux pas ouvrir cette porte, d'accord. Écoutez, on va aller par ici. Je sais pas pourquoi, mais il y a Catnap qui va me tomber dessus, frérot. Ok. Oh, il y a un chargement. Est-ce qu'on va enfin pouvoir sortir de ce fucking manoir hanté, bordel? On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Oh! Je suis enfin sorti! Let's go! Oh! Oh, 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 oh! Oogie Oogie? Non, non! Non, 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 laissez-moi! Ah non, c'est Kissimissi! Putain, je pensais que c'était Oogie Oogie. Non, rien fait de mal! Wesh! Nous sommes là pour vous aider! Oh! Cet endroit la stresse. Mais Kissimissi, on est gentils, nous. Heureusement qu'Oli a pu vous aider à arriver jusqu'ici. Et donc c'était pas toi, je pensais que c'était toi. C'est grâce à lui que nous vous avons trouvé. Oh, merci Oli. Grâce à toi. Oh, regarde, c'est comme un traîneur, je suis trop content. Vous êtes que l'accident de train, vous avez tellement souffert. Oui, j'ai super souffert, ouais. Donne-moi un petit bonbon, donne-moi un petit peu d'argent, un truc comme ça. Vous avez le droit à explication. Allez. Oh, tu as donné des explications. Oh, let's go, mon gars, ça fait une heure que je tourne dans ce fucking manoir. Eh, ça va aller. Ça va aller pour nous tous. Wesh. Abusé. Oh, vous faites quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, incroyable. Oh, regarde, c'est génial. Eh, Kissimissi, ils sont vraiment best... Ils sont vraiment, c'est les best potes, quoi. Incroyable, ils sont trop potes. Regarde. Eh, moi aussi, je peux ouvrir ce truc. Ok, ils vont aller... Mec, on est dans Garten of Banban là. On va descendre dans Garten of Banban. Incroyable. Écoutez, je ne suis pas votre ennemi. Oui, je sais, tu m'as aidé dans le chapitre 1 et même dans le chapitre 2. Mais je ne peux pas vous laisser partir. Ce qui se passe ici nous dépasse tous. Je suis d'accord, bordel. Et j'ai besoin de toi pour nous venger de ces monstres. On va prendre notre revanche, Poppy, c'est moi qui te le dis. Qui nous ont torturés, qui vous ont torturés. Ils n'ont pas agi seuls. Ce sont des disciples de l'original, le prototype. Ok. Attends, mais tu nous emmènes où là? J'ai un petit peu peur, hein. Me ferez-vous l'honneur? L'honneur de... Oh. L'honneur de quoi? Oui. What? L'honneur de quoi? Ok. D'appuyer sur ce bouton rouge. Mais pas de soucis, Poppy. Je le fais dans le prochain épisode. Bon, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Ça fait littéralement plus d'une heure que je tourne dessus, bordel. C'était tellement compliqué. Eh, vraiment, le labyrinthe, mon gars, tu te perdais. J'ai l'impression, en plus, d'avoir loupé des trucs. Là, vraiment, cet épisode, ça a été masterclass, les amis. Bref, prochain épisode, j'appuie sur le bouton pour voir ce qu'il se passe. On va aller peut-être dans le prochain endroit. Vous allez voir, ça va être totalement incroyable. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Vraiment, le chapitre 3, pour l'instant, c'est littéralement une masterclass. C'est incroyable, c'est super sombre, ça fait peur. Bref, j'ai très hâte de continuer cette aventure, les amis. Nous, on se retrouve demain pour la suite de l'aventure sur Poppy Playtime chapitre 3. C'était Wissam, gros bisous à la prochaine. Ciao, ciao.